السلام عليكم مازور في اللون بونجور. Globalement, en dehors des barons du régime et de leur clientèle, qui sont dans une toute autre planète, l'attitude des Algériens au sujet de la situation du pays se décline globalement en trois catégories de gens. Il y a d'abord ceux qui sont dans une sorte d'état second, complètement anesthésiés par le régime, tout content d'avoir ce qu'ils n'avaient jamais espéré. Peut-être une voiture neuve, un logement, voire même un microcrédit pour jouer aux nouveaux riches. Cela, quand il leur arrive de sortir de leur bulle, qu'ils croient dorée, c'est juste pour hurler qu'ils sentent bien que le pays n'a jamais été aussi prospère, aussi tranquille, aussi douillé. Ils hurlent que tous ceux qui veulent un changement de régime veulent plonger le pays dans une autre tragédie, dans la Libye, dans la Syrie. Ils ont tellement peur de perdre leur pathétique petit privilège qu'ils en sont arrivés à s'identifier totalement au régime, à considérer que si celui-ci est balayé, eux aussi pourraient revenir à la case départ d'une misère qui continue de les hanter. Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas comprendre que le régime ne leur a pas fait de cadeau, que ce qu'il leur a consenti, comme s'il leur avait fait l'aumône, est juste leur propre argent, et qu'à la limite, ce n'est pas pour leurs beaux yeux, mais pour les corrompre, pour en faire des alliés naturels. Il y a aussi ceux qui ne sont pas anesthésiés, abrutis par le régime, bien au contraire, puisque ce sont des gens intègres, lucides, qui voient très bien que le pays tout entier est un camion sans frein lancé à toute vitesse contre le mur qui l'attend, et que c'est l'avenir de leurs enfants que ce régime prédateur est en train de démolir, de dévaster, de compromettre. Mais ils ont définitivement désespéré de leur peuple. Ils ne croient plus en lui. Ils le traitent de tube digestif. Ils l'accusent d'être insensible à la mise à mort de son propre pays. Ils ne croient plus en rien ni en personne. Leur désespoir est tel que leur seul rêve est de pouvoir faire quitter le pays à leur famille avant que celui-ci n'explose. Et ils vivent dans l'amertume de ne pouvoir y parvenir parce que eux n'ont pas pillé le pays, parce que eux n'ont pas les moyens de s'offrir une villégiature ailleurs pour pouvoir mettre leur famille à l'abri, loin, très loin, à l'instar des barons du régime, dont les familles ne viennent plus en Algérie que pour quelques jours, quand elles s'ennuient, quand elles ont besoin de voir les autres nager dans l'anarchie et tâtonner dans l'incertitude des lendemains. Ça les rassure, ces familles, de sentir sous leurs pieds des foules qui se bousculent. Il y a enfin ceux qui refusent, j'allais dire, désespérément, de désespérer de leur peuple. Ils refusent de désespérer de leur peuple. Ils l'aiment tellement qu'ils continuent de croire avec une conviction d'acier que c'est de lui que viendra le salut et que c'est de lui qu'ils puiseront leur énergie et que c'est en lui que fleuriront toutes leurs espérances. Avec ces gens-là qui ont tout investi en ce peuple qu'ils aiment d'amour, dans cette terre où leurs attaches sont enracinées, loin, très loin et très profondément, jusque dans l'identité immémoriale de leurs ancêtres, avec ces gens, le régime a du souci à se faire. Parce que ces militants, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, où qu'ils se trouvent et de quelque façon ils luttent, n'attendent pas que leurs compatriotes viennent à eux. Ce sont eux qui vont vers leur peuple, qui le sollicitent, qui l'écoutent et qui tentent de réveiller ceux qui ont été plongés dans un profond coma. Mais sans le brusquer, presque en le berçant, ces militants-là, sur les réseaux sociaux, dans certains partis politiques, dans leur milieu professionnel et même un peu partout dans le monde, ont compris que leur patrie vit un péril encore plus grand que celui de la colonisation. Parce que le régime
est en train de tuer l'âme algérienne. Ils sont mobilisés de toute leur indomptable volonté au service de leur pays, de ce peuple qu'ils aiment et qu'ils veulent servir et qu'ils se refusent de juger, pour lequel ils trouvent toutes les excuses et toutes les justifications, rejetant sur le régime toute la responsabilité de la dégradation générale. Parmi ces hommes et ces femmes qu'il ne faut pas oublier, qui se sont portés au front de la lutte politique et qui ont compris que la seule planche de salut est celle qui leur permet d'être avec leur peuple et d'avancer avec lui. J'ai invité deux politiciens, tous deux jeunes, tous deux fortement déterminés et tous deux décidés à forger leur légitimité de leader au sein du peuple et non pas depuis des tribunes en carton-pâte. Nous recevrons aujourd'hui Sofiane Gilali, le président de Gil Jadid, et Rachid Nkez, le président du Mouvement pour la Jeunesse et le Changement. Les deux sont dans des dynamiques populaires et innovantes. Vous allez voir. Populaires, mais pas populistes. Sofiane Gilali s'est rendu récemment, avant-hier je crois, à Khmis Miliana, où les autorités lui ont refusé une salle pour y tenir un meeting. Ils lui ont rendu un service en fait, puisque cela lui a permis de rencontrer ses compatriotes sur la place publique. Rachid Nkez est aujourd'hui même à Gherdaya, où il s'est rendu à maintes reprises pour tenter de réconcilier les frères de la vallée. Il a lancé un appel pour une initiative proprement géniale. Il nous en parlera lui-même dans un moment. Je rappelle que tous les deux ont été candidats à la présidentielle, que Sofiane Gilali s'en est retiré et que Rachid Nkez a été disqualifié après une sombre affaire de disparition des signatures. Je vais d'abord vous présenter les journaux d'aujourd'hui. Al-Watan, les partis politiques sont souvent interdits d'agir, le droit à l'exercice politique malmené. Al-Watan toujours, sa conférence à Khmis Miliana empêchée, Sofiane Gilali, j'ouvre les guillemets, on doit changer le système et non le PAPC. Je ferme les guillemets. Site du Mouvement pour la Jeunesse et le Changement de Rachid Nkez. Marche pour un changement pacifique du 1er au 28 novembre 2014. Nous allons d'abord commencer à regarder quelques moments de la visite de Sofiane Gilali à Khmis Miliana. جينا ليكم حبينا نهضروا معاكم لو كان جينا في بلاد اللي محضره ندخلوا القاعه ونتكلموا مع بعض درك ما راناش ما بقاتش هنا دوله القانون راهي بلاد هذه اصبحنا مال بلا راعي راكم تشوفوا كيفاش رئيس الجمهوريه هو غايب وهما يلعبوا بالصوره تاعو ويديروا شغالهم هادو الناس هادو ما اللي داروا الناس حتموا علينا العهده الرابعه هادو راهم لازم نقولوا لهم نصبوا احتيال سي دي سكروكري بوليتيك سو سون دي سكرو بوليتيك هذا سلال وطيب بالعيز وعمار غول وعمار بن يونس كاع كيف كيف سو سون دي سكرو بوليتيك داروا لنا فرود سوغ لا مارشانديز دو كاتيام موندا باعوا سلعه فاسده باش طلقوا البلاد هما يدوا واش يحبوا وتركوا الشعب بهمو وهما يسمى ما راح لهمش حنا شوفوا هذه البلديه راهم حاشاكم الزبل هنا قدامنا كما البلديه تكون في الجزائر قدام القاعه يسميوها قاعه الاحتفالات وهي واش صبحت قاعه تاع المزبله ويغلقوها باش ما يخلوش الناس يهضرك القاعه جينا نهضروا مع المواطنين نسالي حدو في البلديه نروحوا نمشوا معاكم ونهضروا لهنايا مع الناس في الشارع لان جينا المواطنين باش يفهموا واش راه كاين في البلاد واش حابين نديروا باش هما ثاني كيكون مستوى الوعي يطلع ان شاء الله ديالي جيت كثر عاد تخلط كل الشعب ما طاطا قابل حوش هذا الميت حوش هذا الميت حوش هذا الميت حوش يلوض الفتنه اطلع للجبل حوش يلوض والله شوكرا راجل ما عندوش كاع قيمه غير يمشي اللي بغيت يسخنا يروح ليه بالموس يطيلو سخنا حنا لازم كل واحد يدافع على حقه بلا ما نتعداو على الاخر
هذا تاع التكسار ولا ما لازمش ما تكونش بصح لازم الناس توقف سلمية لازم الناس توقف على حقها ويرفضوا يرفضوا هذا ابوندوني بوست بعد انت لا شو يدير له ابوندوني بوست المير يجي على 8 9 ما تسيبوش باش يستقبل ابوندوني بوست انا فاهمين واش يخدم حد نتو لا جو تاع وكاين مش رجع رزقهم هما البلديه رزق المير والولايه رزق الوالي والدوله رزق الرئيس المير فوطوا عليه مقبل على فوطين عليه ولا كاع خميس فوطات نحاوه هذا نحاوه هذاك مشكل على بالنا داروا شارق صفاراتنا عطينا على واحد ولا واحد اخر هذا هو هذا هو فهمنا والرشوه شومبيتي احنا درك يا اخوان احنا جينا نهضروا على الحلول تاع البلاد هذه البلاد هذه صفحت بلا موليها رجال تاع اللي كانوا باش يسيروها بعدوهم وخلاو لنا غير هاد الزمره هذه راهي تدي في البلاد مي لازم درك الشعب يقول الكلمه تاعو لازم نبنيو دوله القانون ما كان حتى حل نقدروا نغيروا المير ونغيروا الوالي ونغيروا الوزير ما دام ما درناش دوله القانون والقانون فوق الجميع ما نخرجوش من المشكل دونك هذا هو المعارضه اليوم يتحاول كيفاش باش نديروا قطب وبيه نضغطوا على السلطه هذه باش نديروا دوله القانون لازم القانون هو اللي يسير البلاد ما بقاش هذا كل واحد واش يجي في راسه يدير كيما يحب خاطر عنده السلطه في يده احنا شوفوا درك نروحوا نديروا باقة ورود رمزية على الشهداء اللي ماتوا على البلاد هذه باش نعاودوا نحييو يعني ذاكرة الشهداء ماتوا على هما مش غاليين هذا الشهداء ماتوا على هما مش غاليين هذا هو الصح وروحوا نهضروا مع المواطنين اللي حاب يهضر بارك الله فيكم يعطيكم الصحة فوالا Pour un souci d'équité, comme nous n'avons pas de vidéo de Rachid Nkez, nous allons donc commencer par lui maintenant. Rachid Nkez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Salam alaikum. Salam alaikum. Je suis très heureux de pouvoir participer à votre émission aujourd'hui, Inch'Allah. Tout le plaisir et l'honneur est pour nous. Rachid Nkez, vous vous rendez souvent dans la vallée du Mzab où vous essayez de réconcilier les frères qui ont toujours habité cette vallée, qui ont toujours cohabiter dans l'harmonie avant que des officines sombres ne jettent la discorde entre ces deux communautés. Écoutez, c'est la cinquième fois que je me rends à Rabdaya et dans la vallée du Mzab. Je vous parle en ce moment même de Rabdaya et je peux vous dire que ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. La dernière fois que j'étais venu, c'était au mois d'avril, c'était catastrophique. Il y avait du feu partout dans la ville et dans les villages avoisinants. Et aujourd'hui, même si la communication est extrêmement difficile entre les communautés, au moins, on peut circuler tranquillement dans les rues de la ville, les magasins sont ouverts et il y a des gens qui travaillent des deux côtés et ça, c'est une très bonne chose. Mais ça reste fragile. Il faut être extrêmement vigilant. La présence de la police et de la gendarmerie est encore très importante. On voit bien que c'est fragile et Rabdaya a besoin de toute l'Algérie pour garantir et surtout pérenniser cette paix sociale dans la ville. Alhamdoulilah, espérons que cela durera et que les deux populations, les deux communautés iront dans le bon sens. Mais sinon, Rachid Nkez, vous vous distinguez de plus en plus par cette propension à aller vers le peuple, à entrer en son sein, à faire des tribunes au milieu des foules. Comment êtes-vous reçu au milieu de nos compatriotes? Alhamdoulilah, vous savez, moi je suis un enfant du Douar en Algérie, je viens de la commune d'Aïn Ben dans la Ouellet Chlef, et en France où j'ai vécu pratiquement toute ma vie, j'ai vécu dans une cité populaire, donc la proximité avec le peuple, j'aimerais dire, je l'ai depuis ma naissance. Mais alhamdoulilah, en Algérie, ça se passe très bien. J'ai fait les 48 wilayas et à chaque fois, je suis très bien accueilli. J'ai horreur du protocole, j'ai horreur des services d'ordre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement à la rencontre de la population, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, que ce soit les femmes, quelle que soit l'appartenance sociale de ces personnes. Je veux être au contact direct avec le peuple algérien, surtout avec la jeunesse algérienne, pour comprendre ses problèmes et surtout essayer d'apporter des solutions qui soient valables pour tout le monde, Inch'Allah. Et pour l'instant, cette philosophie, cette façon d'être, elle est bien accueillie et je suis heureux que
que ça puisse constituer pour plus tard, Inch'Allah, une base pour une Algérie nouvelle, Inch'Allah. Restez avec nous, on va revenir vers vous et vous nous annoncerez cette initiative dont nous avons parlé et que vous allez annoncer à tous les Algériens. Soufiane Djilali, merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Et avec plaisir, M. Benchimov. Merci. Alors, finalement, cette visite à Khmis Meliana, finalement, les autorités, en vous refusant cette salle, en fait, ils vous ont rendu service. Parce que dans cette salle, peut-être, même si elle aurait pu contenir 1000 personnes, vous n'auriez pas fait autant d'effets que ce que vous avez fait, puisque nous apprenons que depuis votre passage à Khmis Meliana, les choses ont commencé à bouger, nous dit-on. Absolument. Aujourd'hui même, il y a une réaction populaire assez, assez rude. Des routes ont été coupées. Les citoyens demandent et exigent du Wali et du maire qu'il y ait le rétablissement de l'hygiène dans la ville, qu'il y ait le rétablissement d'un minimum de sécurité pour tous, qu'il y ait un minimum de respect pour les citoyens. Il y a une conscience citoyenne qui est à fleur de peau. Là où nous allons, nous trouvons des gens prêts. Ils demandent « que devons-nous faire ?» C'est la question récurrente. Hier, j'étais également à Tafraoui, c'est juste à côté du centre-ville d'Oran. Là aussi, les citoyens se sentent complètement délaissés et réclament aussi quelles actions nous pouvons mener. D'où d'ailleurs l'idée qui est apparue. En réalité, il faut balayer ce système. Il n'y a rien d'autre que le balayer. Et sur cette idée-là, nous avons inventé la théorie du balai. C'est-à-dire on va proposer aux Algériens, d'une façon ou d'une autre, d'exprimer cette volonté de changement en faisant une campagne pour le balai. Voilà, c'est... Attendez, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, alors oui. C'est la proposition mérite qu'on s'y arrête un peu. Donc, vous allez proposer une action balai. Pour balayer ce régime. Une opération balai. On est en train de réfléchir au sein du parti. On va essayer de la faire partager par d'autres partis politiques. Et il faut agir de façon symbolique pour que les gens comprennent que l'Algérie a besoin d'être nettoyée dans tous les sens du terme. Les villes sont sales, le pays est sale, mais les institutions sont sales. Pense que le balai est là aussi pour balayer la chita qui était malheureusement tellement répandue. Ah, c'est très bien. Donc, nous devons comprendre que cette opération balai a donc deux dimensions. D'abord, le civisme pour la propreté dans le pays qui est devenue trop sale. Il faut dire les choses par leur nom. Mais aussi pour balayer ce régime, pour le chasser. Mais aussi, et c'est très bien, le balai pour remplacer la chita, quoi. Absolument. C'est ça le combat, si vous voulez. C'est la conscience, l'appel de la conscience contre cette façon de faire passer ses intérêts propres avant les intérêts d'une nation. Nous avons devant un pouvoir qui a occupé l'État algérien, et bien il faut l'en déloger le plus calmement possible, mais avec détermination. Il faut que ce pouvoir comprenne que le temps des marchandises frauduleuses est fini. Je l'ai dit à Khmis Meliana, je l'ai répété, ils nous ont imposé un quatrième mandat qui est une marchandise frauduleuse. Et ce sont les escrocs de la politique qui ont fait cette opération. Alors les Algériens maintenant disent c'est fini, basta, et il faut que tout ça s'arrête. Il est honteux maintenant que nous recevons même les sentiments des présidents et des anciens présidents, même de l'ancienne puissance colonisatrice. Vous savez que M. Hollande a déclaré M. Bouteflika inapte et M. Sarkozy a dit, je vous cite son tweet, il a dit « La France doit arrêter de soutenir les présidents morts-vivants pour préserver ses intérêts et clochardiser les autres peuples ». Je ne vois pas d'autre président en poste qui répondrait à cette définition. Absolument, c'est clair, c'est donc clair, voilà, et c'est net. Le président et le nouveau sont d'accord pour enfin dire que la France a trop longtemps absolument, la France, un régime... La France semble revenir à d'autres positions en ce moment. D'après certaines déclarations, il est fort possible qu'elle lâche
ce régime dans très bientôt. Mais restez avec nous, Sian Jilali. Nous allons revenir à Rachid Nekez. Rachid Nekez, est-ce que vous êtes avec nous? Rachid Nekez, est-ce que vous nous entendez? Rachid Nekez, on va essayer de vous retrouver ou de vous rappeler. On va revenir à Sian Jilali. Sian Jilali, on parlait de cette position de la France qui commence à émettre des signaux qui montrent qu'elle serait que le lâchage du régime algérien serait imminent. Mais sinon, cette émission s'est faite sous le signe de politiciens et de jeunes politiciens qui vont chercher leur légitimité, si je puis dire, de leader au sein du peuple. Est-ce que ce sera désormais votre démarche? Écoutez, dès mars 2012, dès le moment où nous avions créé Jil Jadid, nous sommes partis vers le peuple. Je vous rappelle les deux campagnes que nous avions menées pour les législatives de mai 2012 et pour les locales de novembre 2012. Nous avions fait exclusivement de la proximité. Nous avons été visiter les bidonvilles, les endroits où les ordures s'amassent dans les villages, etc. Donc nous savons qu'il n'y a rien d'autre à faire pour le pays si le peuple ne se mobilise pas. Nous sommes venus du peuple, nous faisons partie du peuple de façon humble. Donc c'est avec eux que nous devons changer les choses, pas en venant leur donner des leçons. Restez avec nous. Il faut les aider simplement à s'organiser, il faut leur parler, rétablir la communication avec eux. Et c'est avec la population que nous pourrons changer la réalité de l'Algérie. Restez avec nous. Nous revenons à Rachid Nekez que nous venons de retrouver. Rachid Nekez. Oui, je suis toujours là. J'écoute. Voilà. Alors nous les avons... Les remarques de notre ami Sofiane Jilali. Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on ne va pas encore vous perdre parce que les réseaux... Je vous entendais très bien. Ah ben, c'est très bien. Avec Londres. Les réseaux sociaux bruissent de votre initiative. Tout le monde en parle, cette histoire de marche depuis Khenchla, qui fut l'un des berceaux de la révolution algérienne, vers Alger, la capitale d'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vous laisse en parler, s'il vous plaît. Merci de me donner la parole. Vous savez, je ne pouvais pas laisser le 60e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne sans honorer la mémoire des 1,5 million de citoyens algériens qui sont morts pour la liberté et qui sont morts pour la dignité du peuple algérien et de l'Algérie. Et à l'occasion de ce 60e anniversaire, j'ai voulu, à ma façon, avec mes moyens en temps de paix, les honorer avec une marche pacifique pour un changement en Algérie qui commencerait dans la patrie des Aurès, c'est-à-dire à Khenchla, vous savez que tout a commencé dans les Aurès, et il faut honorer celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays à partir des Aurès. Et cette marche, qui va durer pendant 28 jours sur 600 kilomètres, je veux que ce soit un témoignage de la jeunesse algérienne en 2014 pour honorer la mémoire de ces 1,5 million de chouhada. Et donc c'est une marche que je veux profondément pacifique et surtout un appel à un changement des consciences, un changement des mentalités et un changement au niveau de l'espérance. Car le peuple algérien, depuis le Chérié Souda, depuis la décennie noire, est un peuple qui a peur du changement. C'est un peuple qui a peur des perturbations politiques et qui a peur de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Syrie ou en Irak aujourd'hui. Donc il faut y aller avec douceur, il faut y aller par étapes, il faut y aller avec pédagogie, il faut y aller avec une envie d'accompagner le peuple algérien, notamment la jeunesse algérienne, vers un avenir qui soit positif, un avenir qui ne ressemble plus au chômage, qui ne ressemble plus à la crise du logement, qui ne ressemble plus à l'insécurité. Et on l'a vu récemment en Kabylie avec la mort de l'otage français, l'Airbo, et on l'a vu avec d'autres citoyens algériens qui meurent sous le silence car il n'y a pas les caméras étrangères pour parler d'eux. Donc, ce que je propose, c'est qu'on puisse faire cette marche ensemble de Khenchla à Alger, en passant par Boulbouakir, Santena, Steyr, Chemm El Ayn, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, de façon
à dire au peuple algérien, de façon à dire à la jeunesse algérienne que c'est possible de marcher pacifiquement dans l'espace public pour que notre Algérie puisse connaître un changement, mais sans rupture, sans violence, sans accrocs. Et si, et quel genre, plus de violence, il veut du calme. Rachid Nekez, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, ça va. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Qui allez-vous appeler à marcher avec vous? Toutes celles et ceux qui soient jeunes, moins jeunes, qui viennent de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord, et qui veulent un changement pacifique, et j'insiste là-dessus, ils veulent un changement pacifique pour d'autres Algériens à nous, sont appelés à m'accompagner durant cette marche de 600 km de Khan Cheikhla à Alger, et je tiens à dire qu'à titre personnel, je ferai le jeûne, je ferai le ramadan pendant ces 28 jours pour, comme je l'ai dit, honorer la mémoire de nos martyrs et leur dire que voilà ce que nous, nous pouvons faire aujourd'hui pour honorer le sacrifice qu'ils ont fait pendant ces 8 longues années entre 1954 et 1962. Donc toutes celles et ceux qui veulent un changement pacifique profond en Algérie, sans violence et sans rupture, je leur dis marhaba bikoum. Et vous ne vous attendez pas à une interdiction de cette marche par le régime parce que, je vous signale, qu'une telle initiative, le régime va l'appréhender de façon très sérieuse. Parce que ce régime a toujours combattu des initiatives qui vont puiser leurs ressources au fond du peuple. Donc, à mon avis, il va tout faire pour l'interdire ou pour vous empêcher de l'entreprendre. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Vous savez, ça fait plus d'un an et demi que je suis aujourd'hui en Algérie, et je tiens à vous dire que malgré tous les problèmes que nous avons avec l'État algérien, tous les déplacements que j'ai faits pendant ces un an et demi, je n'ai eu aucun souci. Et je vous donne l'exemple du rassemblement, de la conférence de presse ouverte que nous avions organisée à la Grande Poste à Alger en mars 2014. Alhamdoulilah, il y a eu plus de 10 000 personnes et nous n'avons constaté aucun incident. Les Algériens, le peuple algérien notamment, sait que tout ce que je le fais dans un esprit pacifique. Je ne cherche ni le désordre, ni la révolution, ni l'instabilité. Je suis quelqu'un qui est un démocrate convaincu. J'ai la démocratie dans le sang et j'entends faire passer ce message aussi bien au peuple algérien, à la jeunesse algérienne qu'à l'État algérien pour leur dire qu'avec Rachid Nekez, il n'y a pas de crainte de débordement car ma philosophie, c'est une philosophie de paix et ce que je fais profondément, c'est offrir un avenir à la jeunesse algérienne car je ne supporte plus que les jeunes Algériens croient que le seul avenir qu'ils puissent avoir, c'est à l'étranger. Et j'en ai marre de voir des morts, des jeunes Algériens qui meurent dans des embarcations de fortune en allant en Espagne ou en Italie ou en France. Je veux que l'avenir se construise ici, au présent et en Algérie, Inch'Allah. Merci beaucoup, Rachid Nekez, en espérant vous revoir souvent dans cette émission. Je redonne le dernier mot à Sofiane Gilali. Moins d'une minute, s'il vous plaît, parce que nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, c'est un remerciement que j'adresse à Al Maghrebia parce que vous devenez petit à petit le seul canal encore libre où on peut s'exprimer. Malheureusement, ici, une chape de plomb commence à tomber sur la presse indépendante, sur éventuellement quelques chaînes qui avaient commencé à être un peu autonomes. Et donc, il y a ce pouvoir est en train d'exercer tous ses moyens pour interdire l'expression. Vous l'aviez vu également interdire les conférences, etc. Mais nous, nous sommes déterminés à aller de l'avant. Nous irons vers le peuple et c'est au peuple de trancher et de choisir son avenir. Merci beaucoup, M. Benchemba. Merci beaucoup, Sofiane Gilali. En espérant vous revoir tout aussi souvent à Al Maghrebia, qui vous remercie pour vos encouragements et pour votre reconnaissance. Voilà, donc on a eu le plaisir aujourd'hui de vous présenter deux jeunes politiciens qui lancent tous les deux, chacun de son côté, une opération. Opération Balai pour le parti de Gilles Jadid et Opération Marche du 1er novembre pour le parti de Rachid Nekez, Mouvement pour la jeunesse et le changement. Merci beaucoup. Salam alaikum. Azul. Bqaou ala khair.